Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous faire cette nouvelle vidéo. Là il est 6h du matin, on est samedi et on est sur le point de partir pour Disneyland Paris. Comme vous le savez peut-être, je l'ai dit dans d'autres vidéos, on est parti pour faire un semi-marathon à Disneyland Paris. Donc du coup on a décidé de vous emmener avec nous pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on fait pour le diabète notamment, mais aussi autre chose. Donc c'est parti. On a beaucoup marché aujourd'hui, on a fait les attractions et tout, donc ça a été un peu fastidieux. Je sais pas si vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, y a mon capteur Dexcom qui s'est arrêté. Donc il y a celui de Anne qui s'est arrêté aussi hier. Voilà. Et du coup j'ai pu mettre le freestyle libre moi. Moi le mien s'est arrêté aujourd'hui. Sauf que mon problème c'est que je suis à Paris. Donc j'ai pas pris de freestyle libre avec moi, ni d'autres capteurs avec moi. Donc en fait la seule solution que j'ai trouvée c'était de faire les glycémies capillaires. Sauf que le semi-marathon est demain à 7h du matin. Enfin on va se lever à 5h mais il est à 7h. Et j'ai posté une photo sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous l'avez vu. Et donc il y a une abonnée qui s'appelle Adeline, qui habite à 15-20 minutes à peu près de Disneyland Paris, qui a été super sympa et qui du coup m'a ramené un freestyle libre pour que je puisse me le mettre, parce que j'avais le lecteur avec moi, donc il a suffi que je me pose un capteur pour pouvoir avoir ma glycémie sur le bras. Et donc ça y est, j'ai posé mon capteur et j'ai la glycémie. Et en fait Adeline a son fils Ilan et Anaé, donc son fils Ilan qui est diabétique de type 1 aussi depuis juin. D'ailleurs on les embrasse, on leur fait un petit coucou et on les remercie. Et du coup ça fait que pour demain j'ai mon capteur avec les glycémies sur la courbe, donc super, ça m'a vraiment sauvé la vie. Et puis en plus elle est super sympa, on a bu un coup avec elle au bar et tout, bon bref, on va donner de détails, mais super sympa et on la remercie. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller se coucher parce qu'on est crevé. Demain on va se lever à 5h du matin à peu près pour aller au petit déjeuner et puis ensuite aller courir. Donc on se retrouve demain pour la course. Salut! Bon ben là on est prête pour le semi-marathon, il est 6h du matin, on est descendu à 5h30 prendre le petit déjeuner. Donc pour vous expliquer un petit peu comment on a fait différemment. Moi personnellement j'ai enlevé ma basale à 5h du matin déjà, donc je suis à 0 de basale depuis 5h du matin. Je me suis réveillée à 1,90, entre 1,90 et 2, donc là j'ai plus de basale et je me suis réveillée à 2. Et au petit déjeuner au lieu de 7 unités prévues, donc l'unité pour manger et celle pour corriger, je me suis fait que 2 unités sur les 7, donc j'ai fait à peu près, combien ça fait, 30% à peu près de la dose, enfin donc voilà. Et là je suis à 2,20 sur mon freestyle libre avec la flèche qui monte vers la diagonale, donc c'est en train de monter. Je pense que je vais commencer la course vers 3, quelque chose comme ça. Et moi du coup j'ai mangé comme d'habitude, le petit déjeuner habituel. J'ai gardé ma basale au petit déjeuner à 5h, j'ai fait 2 unités au lieu de pareil 7, à peu près 30%. Et je viens à peine d'enlever ma basale, là il est 6h, donc une heure avant la course. Et là je suis à 2,10 avec une flèche qui monte tout droit, mais je pense qu'il y a un petit peu de stress aussi là dedans qui joue, donc voilà, on verra bien. Donc là on est prête pour le semi. On a mis la petite nounou de Mimi pour les photos et tout. Et puis normalement sur le parcours il y a les personnages de Disney, donc on va s'arrêter, on va faire des photos avec eux et tout. Et puis de toute façon je vous filme tout ça hein, comme d'habitude. À tout de suite.
sixième kilomètre. Ouais. Donc on va sentir un peu les jambes qui... Non, ça va. la glycémie 3,67 avec un flèche comme ça dans le bas là. Moi je dois être à... Je peux regarder encore parce que je regarde au 10, mais je dois être à 3,20, quelque chose comme ça. Ou... Voilà. Donc on est bien. À tout à l'heure.